la Manche, d'une largeur égale à celle du Saint-Laurent ou du Mississippi. D'un côté, la plus formidable machine de guerre de tous les temps, de l'autre, les blanches falaises de l'Angleterre. Les yeux du Commonwealth britannique sont fixés sur ce détroit où l'histoire du monde va peut-être s'écrire bientôt. Autour de cette île fortifiée qu'est devenue l'Angleterre, une muraille d'acier s'est élevée. Jour et nuit, des yeux y scrutent la mer. On ne sait pas l'heure de l'invasion, mais on sait qu'elle viendra. Millions d'habitants sont à leur poste de combat. Ce sont les travailleurs anglais, ouvriers en métallurgie, fondeurs, mécaniciens. Ce sont les hommes et les femmes qui, en temps de paix, ont édifié une Angleterre riche et puissante. Et ce sont eux qui ont amené depuis la guerre cette révolution paisible qui permet que rien ne puisse contrecarrer l'effort de guerre nationale. Les ouvriers ont généreusement consenti à tous les sacrifices, privations, rations sévères, longues heures de travail. Car ils savent que l'ennemi masse ses troupes et que chaque heure est précieuse. Was Deutschland nicht gelebt, aber das hat heute vor uns steht. L'Allemagne n'a jamais voulu cette guerre. L'Angleterre seule l'a voulu, tout en sachant que leur ville serait réduite en ruines. La puissance de l'Angleterre sera anéantie. Les armes modernes ravageront son territoire et détruiront son peuple. Par nos canons à longue portée, les villes du Sud ont déjà reçu le baptême du feu. L'Angleterre doit être réduite au rôle d'état vassal dans notre nouvel ordre européen. L'Empire britannique tout entier subira la loi du sang, de l'acier et de la force. Soldats d'Allemagne, votre heure approche. I can usually hear Jerry leading the other side. We watch out for him. And as for the shells, well, we see a flash. 1060. There she is. C'est un peuple comme celui-ci qui endura le choc entier de la première attaque allemande sur l'Angleterre. Les raids intensifs de septembre 1940. Les aérodromes situés en pays conquis, les avions de bombardement de Göring décollaient à destination de l'Angleterre. Leur plan était d'éliminer la RAF du ciel britannique, de semer la panique au milieu de la population civile et de préparer les voies pour l'armée d'invasion. Et c'est ainsi qu'au-dessus des champs du Kent et du Sussex, des dunes du Hampshire et de la gigantesque Londres, la bataille de l'Atlantique commença. La première bataille décisive de l'histoire dans laquelle les combattants en première ligne étaient des aviateurs et des civils. Durant ces tragiques journées de l'automne 1940, alors que l'horreur planait dans le ciel, il se dressa sur tout le sol anglais, l'armée la plus étrange que l'histoire ait jamais connue, une armée de civils, organisée d'elle-même et soumise à sa propre discipline. Ses armes, des boyaux d'arrosage, des pompes à incendie, des sacs de sable, des balais et des seaux. Son but, épargner aux villes et cités anglaises le sort de Rotterdam et de Varsovie. Avant que le vrombissement des moteurs de la Luftwaffe eût annoncé les premières attaques massives, cette armée populaire était prête. Par vagues de 100, de 150, de 200, chargés d'explosifs et escortés d'avions de chasse, les avions de bombardement survolèrent le Kent, le Sussex et l'estuaire de la Tamise. Thank you.
ces aviateurs ennemis composaient l'élite de la force aérienne allemande. Ils avaient été dressés pour la victoire. Leurs Heinkels avaient tonné sur la Pologne. Leurs Dornier avaient détruit la Hollande. Leurs Stukas avaient paralysé l'armée française. Seule la Grande-Bretagne demeurait debout. Aujourd'hui, ses ports de mer devaient être détruits. Demain, Birmingham, Coventry et les villes enfumées du Lancashire. En moins d'une semaine, Londres elle-même ne devait plus être qu'un amas de ruines. Avaient compté sans la RAF. L'Angleterre n'oubliera jamais le jour où les Spitfires et les Hurricanes se lancèrent dans la mêlée et que le destin de la guerre s'écrivit en longues traînées de fumée dans le ciel. Pendant que les formations allemandes se dispersaient devant le feu des défenseurs, la TSF supprimait le temps et l'espace. Interceptée au-dessus de Norwich, descendue à Calais. Engagement à Portsmouth, détruit Ostende. Et les ondes transmettaient également l'avertissement continuel des Allemands à leurs camarades pressés de toutes parts. Achtung, Spitfire! Les débris de 2400 avions allemands gisaient dans les champs et sur les rives de l'Angleterre. L'ennemi avait compté sans la RAF dans les airs. Il avait compté sans la détermination de l'armée populaire sur le sol. We pulled more jerrys out of drink than all that ever existed. A fact. Trapons. Thin uns, small uns, you'd be surprised. We're getting proper fed up with it. Pour le haut commandement nazi, il y a quelque chose de beaucoup plus grave que la perte d'avions et d'hommes. C'est l'aide toujours croissante qui arrive du Nouveau Monde. Les navires chargés d'avions de bombardement qui partent vers l'Est et représentent une menace non seulement pour la campagne contre l'Angleterre, mais également pour l'empire de Hitler sur l'Europe même. Aujourd'hui, les chefs de l'Allemagne savent fort bien qu'à moins de couper les communications avec la source de ravitaillement, les triomphes de leurs armes auront été inutiles. Tout vaisseau à portée d'une torpille sera coulé sans avertissement. Les sous-marins puissamment armés quittent les chantiers maritimes du Reich. Ces sous-marins peuvent effectuer une croisière de 6000 milles sous les vagues énormes de l'Atlantique. Dans des écoles spécialisées, les jeunes Allemands étudient la technique du corsaire moderne, frapper, puis s'enfuir. Et c'est ainsi que dans les eaux grises de l'Atlantique, les nazis jouent leur son de carte. Si nos bombes échouent, la faim viendra à bout de nos ennemis. De leur base située sur la côte occidentale de la France, les gros avions de bombardement Focke-Wulf décollent, scrutent l'océan et s'efforcent de découvrir les convois qui approchent des côtes britanniques. Après une rapide inspection à basse altitude, leur appareil de TSF émet un message. Patrouille aérienne appelle U-55. Patrouille aérienne appelle U-55. Un convoi britannique se dirige vers l'est. Position 53 degrés, 30 minutes de latitude. 17 degrés, 10 minutes de longitude. Attaquez avec torpille. «
Au-delà des côtes de l'Irlande, dans la zone vitale des approches de l'Angleterre à l'ouest, les sous-marins ennemis se tiennent à l'affût en formant une flotte de 4, 5 ou 6 unités. Pendant plusieurs jours consécutifs, attendant l'heure où les conditions atmosphériques assureront à leur torpille le maximum d'efficacité. Et voici leur chant, voguons contre l'Angleterre. Malheur aux navires qui voudraient traverser seuls l'Atlantique. Qu'ils soient alliés ou neutres, le seul fait qu'ils se dirigent vers les côtes britanniques suffit à fixer son destin. Reste plus alors qu'un groupe de personnes à demi gelées, couvertes d'huile, et une chaloupe de sauvetage ballottée par les lames vertes de l'océan. Alors que la bataille de l'Atlantique atteint son point culminant, le monde écoute avec anxiété le chiffre toujours croissant des pertes maritimes. 400 000 tonneaux par mois, 500 000 tonneaux par mois, 600 000 tonneaux par mois. Destruction qui s'opère à un rythme trois fois supérieur à celui de la reconstruction dans les chantiers anglais. Perte dans le sud de l'Atlantique, à l'ouest de l'Afrique et des îles du Cap-Vert. Perte entre les Açores et la mer caribéenne, entre le Groenland et l'Islande. Perte dans les eaux de l'hémisphère occidental, à 700 000 du Canada. Mais aujourd'hui, les chantiers de l'Amérique du Nord ont répondu à cette menace par le bruit de leurs marteaux. Ainsi, de nouveaux vaisseaux assurent le ravitaillement de la Grande-Bretagne. Et le long des côtes canadiennes, les corvettes prennent la mer afin d'aider les destroyers britanniques à tenir ouvertes les voies vitales d'approvisionnement. Déjà la bataille est à son tournant. Déjà l'Atlantique devient le tombeau des corsaires eux-mêmes. Cependant, ce ne sont pas les navires, mais le courage des marins qui se trouve être le facteur décisif. Hitler lui-même l'a dit, ce ne sont pas les armes qui remportent la victoire, ce sont les hommes. Et ces hommes de l'île héroïque ont l'expérience traditionnelle de 1000 ans sur l'océan. Grâce à eux, les convois poursuivent leur course et l'Angleterre conserve intactes ses communications vitales. Déjà les nazis savent que l'Angleterre ne peut pas être vaincue par des bombes. Ils savent que le monde occidental ne la laissera pas mourir de faim. Il ne reste donc plus à l'ennemi qu'une seule carte à jouer, l'invasion directe. Pendant de longs mois, l'état-major a élaboré le plan d'invasion qui doit, il le sait bien, gagner ou perdre la guerre. Les avions de reconnaissance
sont continuellement à l'affût et cherchent le défaut de cuirasse dans les défenses des îles britanniques. Des ports français et belges, les torpilleurs cherchent à découvrir des points d'atterrissage ou à recueillir des indications sur les mouvements de la flotte. Et en Allemagne, durant l'hiver, l'armée de l'air a répété son rôle, rôle qui doit se transformer en suicide. Les troupes de choc doivent accomplir la tâche qui a été ratée par la Luftwaffe, c'est-à-dire détruire les centres vitaux, couper les communications, répandre la panique et ouvrir ainsi une tête de pont pour le gros de l'armée d'invasion. Contre cette stratégie basée sur la terreur, se dresse la tranquille puissance de la Grande-Bretagne. Ses hommes, ses vaisseaux, ses machines, ses fusils, tout est organisé de façon à présenter à l'ennemi le plus vaste système défensif dont l'histoire fasse mention. Jour et nuit, les bateaux volants Sunderland font la patrouille de l'Est, surveillant constamment toute concentration de troupes sur la côte allemande. Au milieu des tempêtes de la mer du Nord, la marine scrute l'horizon afin de prévenir l'arrivée des vaisseaux de guerre ou celle des barges à moteur. Près des côtes, les mouilleurs de mines tendent la chaîne mortelle qui doit empêcher tout renfort naval de débarquer avec des tanks et une artillerie lourde et s'emparer définitivement des postes stratégiques détenus par les parachutistes. À l'entrée de chaque port et de chaque estuaire, un réseau d'acier peut arrêter toute incursion sous-marine ou de surface. Les enfants ne jouent plus sur les plages anglaises. Des troupes occupent maintenant ces dunes. Des troupes portant l'uniforme de combat et le casque d'acier. Des troupes armées de mitraillettes qui peuvent couper un homme en deux à 200 verges. Et chaque jour, on peut entendre sur ces plages le bruit de tonnerre qui tire à la cible. La Home Guard se charge de la patrouille et son rôle consiste à mettre les troupes aériennes hors de combat avant que celles-ci aient réussi à consolider leur position. À la campagne, les cloches des églises sont prêtes à sonner le tocsin et dans les champs, des pièges à tanks. Sur les routes secondaires, tout étranger est fouillé et doit fournir des pièces d'identité. Sur les routes principales, chaque civil qui conduit une automobile est questionné. Depuis Aberdeen jusqu'à l'île de Wight, les forces motorisées se tiennent prêtes, à la première alerte, à se rendre en n'importe quel point menacé par l'ennemi. Au-dessus des nuages, des escadrilles d'avions de chasse patrouillent les cieux afin de foncer sur les avions ou les aéroglisseurs avant que ces derniers n'aient pu rendre à destination leur cargaison humaine. Enfin, l'armée britannique elle-même croît continuellement puisque de nouvelles classes sont sans cesse mobilisées. À cette nouvelle force intérieure s'ajoutent des troupes venant du Canada ou d'autres dominions et qui veulent prendre leur place sur les remparts de l'Angleterre. Tous ces soldats sont à leur poste à travers l'Angleterre, que ce soit sur les blanches falaises de Douvres, sur la terre rouge du Devon ou dans la région de l'East Anglia. Chaque heure qui s'écoule rend encore plus formidable la défense de l'île forteresse de Churchill et de son peuple. Chaque marée amène une aide plus généreuse de la part de ses amis d'outre-mer. Et profondément enraciné dans le cœur de ces Britanniques, qu'il s'agisse de Cockneys ou de Clydesiders, des habitants de Bristol et de Manchester, de Cardiff et de Middlesbrough, ou des 7 millions de Londoniens, il y a une force intérieure, le calme obstiné que ni les bombes, ni le feu, ni l'acier ne peut troubler. Et tant
tandis que les marins sillonnent la Manche. Ils peuvent voir les tours d'observation et les bastions de leur île. La forteresse anglaise demeure invincible, comme pendant ses 1000 ans d'histoire. Et à travers un détroit de 20 000, lance un ironique et fier défi. Venez, si vous l'osez.